à chaque fois. Alors, aujourd'hui, nous nous dirigeons. Nous avons passé la nuit à Sainte-Maxime dans une petite Park Fortnite. 5 euros pour la nuit avec l'eau et les vidanges. Voilà, et puis là, on décolle et nous nous rendons en direction de Grasse. Voilà, j'avais envie d'aller voir un petit peu moi qui adore les parfums. Je voulais voir un petit peu Grasse parce que c'est quand même la capitale européenne du parfum. Enfin, on longe le bord de mer. Hein. On va longer, on va passer par jusqu'à Montaulieu. Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Aigus, on va direction Montaulieu par la corniche. C'est joli tout le frein de mer, c'est long, mais c'est plus long, mais c'est très joli. Alors c'est vrai que ma caméra elle est positionnée dans un endroit où on voit bien les étiquettes à droite là. Mais bon, on ne sait pas trop où la mettre ailleurs. Il faudrait qu'on trouve un autre endroit. Ah là c'est sympa. Là c'est sympa. Il n'y a pas d'interdiction. On va laisser passer les voitures. Là, c'est sympa comme tout. Alors Christophe, il a horreur quand il se fait suivre par des voitures. Bon, la route est à tout le monde. On roule pas vite. On roule pas vite, donc il a l'impression de. Ouais. Il a l'impression de gêner. On gêne tout le monde alors. Il a toujours l'impression de gêner, donc eh ben, souvent on s'arrête comme ça, on laisse passer les files de voitures et puis après on redémarre. Alors, amis camping-caristes, hein, vous pouvez venir dans le coin de octobre à avril à peu près. C'est ça. Pour être à peu près tranquille pour se garer. Parce qu'à de avril à octobre, après, c'est compliqué. Venons d'arriver à Grasse, donc là on est devant la parfumerie Gallimard. On la visitera après parce que là il est presque midi et on va voir si on trouve un petit restaurant pour manger. Hein? Ouais. Alors, ça y est. On est à Grasse. Il fait 24 degrés, on est en t-shirt. Wow. Il est en t-shirt le Toto. On est en hiver, super. Oh là là. Ah, on y aime. Hein. On y aime, ouais. Ouais. On n'a plus la mer, mais bon, là, on est bien aussi. Hein. Ouais. Là, on est devant l'usine de Gallimard. Je vais montrer. L'usine, la parfumerie. La parfumerie, voilà. Je vais montrer un peu. Ah bah, on va tout à l'heure. Non, mais l'entrée comme ça, là. Voilà. Donc, on ne peut pas filmer à l'intérieur de Gallimard. Ce sera un petit montage photo.
petit point de vue. Nous allons essayer de trouver un parking au bord du lac de Saint-Cassien. De Saint-Cassien. Dans le Var. Dans le Var. C'est un grand, grand lac. Hein. Bon, petite info sur la parfumerie qu'on a visitée. Donc, c'était la parfumerie Gallimard. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. On s'est régalé. On a pu visiter le musée. Hein. Il y a un musée où il y a tout ce qu'il faut. Ils expliquent. On a eu une guide qui nous a tout expliqué. Bien évidemment, à la fin, il y a la boutique. On a craqué. Hein. Ma chérie, on a craqué sur la boutique. Et on a aussi fait un petit atelier pour... créer notre cologne un peu. Voilà, pour notre créer parfum, une autre cologne. Une autre cologne, quand même. Voilà. Et c'est vrai qu'on a passé un très très bon moment. C'était très agréable, donc je recommande aussi. En plus, on peut se garer, en fait, on a pu se garer dans le parking qui est prévu pour les bus. Il est aussi prévu pour les camping-cars. Donc, à savoir, hein, pour nos amis camping-caristes, si vous voulez visiter la parfumerie Gallimard, vous pouvez vous garer au parking où il y a les bus. C'est en bas. Mais ce fut un très bon moment. Allez, après une bonne nuit au calme, au bord de ce lac, nous reprenons la route, direction le petit village de Fayence. Nous sommes à Fayence, un petit village perché dans le Var. Il y a un vent dehors. Ah, c'est infernal, donc j'ai vraiment du mal à faire des vidéos. Non, c'est pas une crèche. Des petits champions de Provence. Des champions de Provence. Encore une petite voûte. Ah, franchement, c'est un très joli village. Dommage qu'il y ait autant de vent, parce que ça nous gâche un peu la visite. Et en haut de ce petit village, il y a une gigantesque fresque en haut de la tour. On a une vue générale sur le paysage. Cette partie du Var, de l'arrière-pays varois. Donc à midi, nous allons manger ici. Restaurant brocante restaurateur. Ça a l'air bien sympa à l'intérieur.
Donc, ce petit restaurant Brocante se situe à Figanières, c'est non loin de Draguignan. Donc là, je vous laisse deviner, nous sommes dans un restaurant Brocante. C'est-il pas beau, ça? Restaurant Brocante. Nous sommes donc à Figanières, dans le Var. Coucou, Mijo. Coucou, mon chéri. Et on va manger ici, là, dans ce petit coin. Manger là. Ben, c'est super. Ben, dis donc, c'est vraiment atypique, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, ma Mijo, là? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, elle nous a apporté une anchoyade. Là, comme ça, c'est un petit truc à pelleter. Super. Alors, moi, j'ai ma assiette de charcuterie et Mijo, elle a choisi œuf cocotte. Je vais voir un petit peu ta cocotte, comme elle est. Waouh, c'est joli comme tout, hein. Alors, heureuse. Alors là, nous avons le pavé de saumon avec des lentilles. Et Mamie Jo, elle a pris des lasagnes. Une belle salade. Alors, toujours ravie? Elle est toujours ravie? Nickel. Alors, on va assister à la fabrication en direct d'un tiramisu. Maison. Voilà. Ah, triche oui, pas là. Hein. Par le chef, comment il s'appelle le chef? Patrick. Merci Patrick. Un petit peu de café. Ah, mais la crème, elle est dans le truc. Oh, ça sent le rhum. Ah oui, dans le café. Ah oui. Eh bien, dites. Eh bien, dis donc. C'est pas si beau, tout ça? Ah, vous mettez la crème dans le fils. C'est ça. D'accord. Il y en a un paquet. Il faut que ce soit gourmand. Sinon, c'est pas la peine. On ne prend pas de dessert. Bah oui. Attendez, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini, mais non. On est peut-être au final. Le petit cacao. Et voilà. Eh bien, merci eh ben, beaucoup. Merci. Eh bien, on va se régaler, hein, je crois. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci. Merci, chef. Bon appétit, ma chérie. Je vous laisse, si vous voulez, le café. Très bien. Il en reste. Ah, ben, nickel. Ouais. Bon, il y a du rhum. Hein, mais... D'accord, c'est pas grave. Ok. Il y a du sucre. D'accord. Merci. Eh bien, c'est parfait, tout ça. Allez. Ouh là là. On est gâtés aujourd'hui. Préparation en direct. Hein. Ah, on est gâtés aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire. Hein. Ouais. La charcuterie que je fais... Sur mes plateaux de charcuterie, je la vends, les fromages. Ah oui, je vois que c'est tout de la récup, c'est sympa. Hein. Ah ouais. Ah oui, après, tout le reste, c'est tout de la brocante. Hein. D'accord. Il y a même des 45 tours, oui. On va les amener à l'endroit. Bonjour les amis. C'est pas les gorges de Vernon, oui, c'est on... là, je sens, au sud du lac de Sainte-Croix. Voilà, nous entrons vers le lac de Sainte-Croix. Dans les gorges du Verdon, ouais. On est dans le domaine du Verdon, en fait. Là, on est en train de rentrer tranquillement à la maison. Et nous rentrons par les terres. Nous sommes descendus par le front de mer et là, nous rentrons par les terres. Voilà le sud du lac de Sainte-Croix, à la sortie des gorges du Verdon. J'aime beaucoup cette couleur bleue, bleu turquoise.
Super temps, un petit peu moins de vent que dans le Var tout à l'heure. Nuit calme, à Gréoux-les-Bains, dans le 04. Voilà, nous avons repris la route et aujourd'hui, je me repose un peu. Et c'est notre Mijot national international qui conduit. Coucou. Comment ça se passe, Mijot, ma chérie? Ça se passe bien. Voilà. Ça se passe bien. Ah ouais, puis moi ça me repose aussi, hein, c'est sympa. Hein. Hier, il a eu peur, hein. Ah, hier, j'ai serré les fesses, par exemple. Hier, il a serré les fesses, hein. C'est parce vrai. Que j'ai conduit et il m'a emmené dans un village perché. Et franchement, moi, j'étais tranquille, mais alors lui, à côté, agla-gla. C'est un faïence, hein. Et là, nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence. On se dirige vers Manosque. On est en train de remonter tranquillement vers Rhône-Alpes. Tranquillement, par les routes, par l'arrière-pays. Ah, c'est joli par c'est ici. C'est joli, ouais. Oh là là, oui. Passionnant, hein, ici. Ouais. Nous sommes rentrés dans le département de la Drôme il y a quelques minutes. On est en train de rentrer chez nous, hein. Et nous nous dirigeons vers Die, la ville où il y a la clairette de Die. Donc là, on vient de passer le saut de la Drôme, là où il y avait tous les rochers. C'est magnifique. Jaillance. Allez, un petit peu de vue de cette magnifique région. Et voilà. Nous sommes bien rentrés dans notre petit village. La suite dans la prochaine vidéo. À bientôt !